Vous avez toujours rêvé peut-être de mener l'enquête aux commandes d'un canard pour rechercher un salami perdu. Et c'est ce qu'on va vous proposer avec Pauline. Comment ça va Pauline ? Très bien et toi ? Ça va impeccable. On est sur Duck Detective The Secret Salami. En français, le salami secret. Le salami secret, l'enquête de l'inspecteur canard, quoi, tout simplement. Comment dire ? Son superbe matelas. Qu'est-ce que c'était que ça ? On dirait un sneakers géant posé sur son lit. Oh là, quel mystère ! Plein de personnages, ouais, on va essayer d'aller sur notre première affaire et pas des moindres. Oh ouais. Ça sera d'ailleurs la première et la dernière affaire de cette aventure qui se boucle en 3 heures ou moins. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est tout court quoi. J'aime beaucoup cette ligne de dialogue. Oh, mais... C'est poignant, il faut. Ah, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu. Ouais. Firefox, Opération Milkshake, pour moi ça m'a fait remonter 10 ans en arrière. Est-ce quoi. Que un truc comme ça non, ou... c'est Spy Fox, Opération Milkshake, et je suis sûr que des centaines d'entre vous vont s'y retrouver. Bah voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez connu ça. C'est ou une alors... question de génération. C'est qui Alors on est là. On a été appelé, on a reçu un appel inconnu nous sommant de venir de toute urgence. Pour une étrange histoire de salami. Mais oui. T'es content d'être là. Bah ouais. Ah là là, on a souvent cette petite loupe et hop. On va choper les indices des mots clés. Et alors, détrompez-vous, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait. Ah, parce que pour l'instant, tu cliques juste quand il y a un petit point d'exclamation. Parce que là, celui-là, Sophie. Oh là là. En fait, mais non. Pardon. Mais non, mais parce que tu passes quand même un bon moment, quoi. Oh là là. Regarde, c'est insupportable. Oh là 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 là. Attendez, on va réussir. Ne vous inquiétez pas. Ça me met dans tous mes états. Bah on est bon normalement. Ah, bah oui, c'est Sophie. Parce qu'il faut d'abord faire ça. Oh là là. Six sentiments de satisfaction. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. Oh là là. C'est bon. Je vais lui remonter le moral. Vas-y, remonte-lui le moral. Ah merde. Putain, mais tu cliques vraiment trop vite. Cliques trop vite. Je panique. Les animaux sont cool. Allez, laisse-nous rentrer là. Non, t'abuses un peu. Ah, tu trouves ? T'abuses un peu, mais c'est bien essayé. Oh là là, le hard Allez, hop. Design. On va avoir le temps de rentrer un petit peu là-dedans. On rentre dans la salle et ça on va se couper. On rentre dans le vif du sujet. Et on arrive vraiment sur la scène du crime. Ouais. Quelqu'un nous a appelé parce que son déjeuner de salami a été dérobé. Mais alors moi, ce que j'ai pas compris, donc c'est ça. Oui. Sauf qu'il y a un fucking salami dans le sac du crocodile. Ouais. Est-ce que ce serait pas ce salami qui a été dérobé ça dans me ces cas-là ? Ça paraît un peu obvious. J'ai fini le jeu en 10 minutes. Est-ce qu'on n'essayerait pas de lui faire porter le chapeau ? Ah ouais, tu penses ? Enfin, 2 kilos de salami comme ça foutu dans le sac. Dans le sac de sport en plus. Un sportif, ça aime pas le salami. Bon, au moins vous êtes prévenus. En tout cas, c'est une des petites sorties du mois de mai. Ça fait plaisir. Ça se termine très très vite. Hein. C'est bien ces jeux-là. Ça fait plaisir. C'est un peu de fraîcheur. On le fait à plusieurs. Vous passez une mauvaise journée, vous vous lancez là-dessus. Voilà. Et puis c'est très cool aussi pour découvrir un peu ce genre très particulier qui pourra peut-être vous emmener à d'autres jeux comme The Case of the Golden Idol, jeu incroyable qu'on adore avec Pauline, ou Return of the Obradine aussi, très très bien. On vous remercie de nous avoir regardé. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est le genre de jeu que vous affectionnez ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. On vous remercie de nous avoir regardé. On vous fait des gros bisous. Ciao.